TVLACAIHAITI.COM, mesdames et messieurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et pas oublier, jeudi, hein, c'est jeudi 27 juillet 2023. Et ça fait quand même plaisir à nous rejoindre nous après-midi là pour nous porter vidéo ça pour vous. Et avant tout, avant même nous entrer puis fond puis d'emblée dans vidéo ça, et n'a profité pour le temps pour nous dire merci à tout le monde, toutes amis compatriotes qui pas jamais lagué nous et qui toujours rester connecté sur channel ça, quel que soit l'heure nous poster une vidéo et mais toujours prendre le temps, le soin pour assister nous. Parce que vous faites confiance, vous croyez en nous et nous même notre travail d'arrache-pied pour nous que vous informer. Nouvelle chose dans le pays, ya, chef gang Chris là, monsieur prend coup, monsieur prend frappe là, côté la police arrivé, mettez en bas code et McKinley innocent, qui se yon chef gang avec a dirigé, bas en Tibois, à Chris là, avec tout ça qui dit même tap tenté, ouais, comment t'as cap sauver qui dit pays, ya. La tenté sauver qui dit pays, ya, dans le programme Biden, non, et bien c'est la DCPJ, pral mari, monsieur Koukrab, dans l'aéroport Toussaint-Louverture, mesdames et messieurs, tout le monde connaît. Mais population qui au même et fois ça nous pas connait qui ça passe pour ça peuple pas tout envahi et puis prend monsieur nommé la police et tout bail monsieur Boiscalé pour qui ça la police obligé à le mettre monsieur lui-même dans prison et si ça un peu monde pas comprendre c'est tout remettre population en tout pour bail monsieur Boiscalé parce que nèg ça tellement fait monde mal dans pays ça nèg tellement kidnapper monde tellement violer monde tellement faire zak dans pays ya et puis c'est comme ça la police a arrêté nèg yo. Mais population qui au même semblé yo bay mouvement Boiscalé à vague nous ouais mais pas gen Boiscalé encore presque on t'a dit c'est comme si son diffé pay mari qui moun noté hein son diffé pay mari dans moment Boiscalé a été diffé pay mari et après on tifan passé là et ben tout temps diffé éterne dans population qu'on y a c'est bandi yo avec cap bay Boiscalé c'est bandi cap bay Boiscalé mesdames et messieurs. Dans la vidéo ça nous va inviter au gen détail tout sur diverses opérations que la police a mené surtout dans la commune Croix des Bouquets et dans fief Lambo Sanjou et il y a plusieurs soldats qui tombé et il y a vite l'homme tout et ben qui dit même a sillonné tout pays a sous gros machine blindée et puis plaque officielle plaque officielle c'est sous machine ça vite l'homme lui-même et ben monsieur a pas roulé dans Port-au-Prince City la caïne. Donc Ariel Henry monsieur montre clair vrai qu'il n'a cocodaille à gangio. Ariel montre clair qu'il n'a vol vrai, il n'a kidnapping vrai à qu'inviter l'homme si n'a qu'a choisi avec quitter vite l'homme à pensionner dans toute ville là avec machine service de l'état plaque officielle blindé encore. Bon, c'est ça Haïti en tout cas, nous te wè ti l'appli qui dit même t'a fait interview, t'a fait reportage avec divers journalistes blancs. Avec qui au même t'es dans machine avec monsieur monsieur Montour qui machine blindé c'est pas ti blindage non qui machine ça lui même li bagay donc c'est ça chef gang yo au même yo protégé et puis la qui ti soldat ti sandal dans la ria et puis a touyé assassiné mon en tout cas nous pral inviter au détail tout sur diverses autres opérations diverses autres monde que la police yo même mettez en bas code qui pas fin droite on nous montre dans vidéo mesdames et messieurs n'a tourné pour nous parmi les premières qui a annoncé ça, en tout cas, son souhait, son rêve, hein? Et puis nous connaissons ça pour réaliser quand même. Mais au-delà de ça, mesdames et messieurs, là, et nous apprenons que beaucoup de DCPJ, eh bien, oui, qui prend un gros requin, là, mesdames et messieurs, donc gros coup de filet, justement, question à l'aéroport, et dans l'aéroport, nous allons voir plus de détails, parce que c'est sûr, certain, pas oublier, nous disons, gros, monsieur, ça arrive dans la phase là, il y a sauvé, qui était payant, il y a un bagage dans le milieu, mais l'essentiel, il y a un gros tour tombé là, nous allons voir plus de détails. Et puis pendant qu'on a parlé des tours tombés, et bien là, nous apprenons, mesdames et messieurs, et bien que ça n'a pas étonné nous, que bon côté vite l'homme, côté que je viens vite l'homme avec plaque officielle et avec machine et l'État, et c'est sûr, c'était nous prenons bon plus de détails sur ça, mais en même temps, nous avons toujours dit nous, individus qui sont acteurs professionnels, nous avons toujours dit nous, nous n'avons pas faire confiance, mesdames et messieurs. Et bien là, et c'est sûr, c'était nous prenons bon plus de détails dans quelques secondes, puis ça côté en pilote actualité. Que nous prenons et trancher pour nous dans quelques secondes. Avant ça, eh bien, nous sommes dans le cadre de l'actualité. Je dis déjà, comment se dit, eh bien, nous là, chef gang Vitelon, eh bien, là, et RNDDH dénoncé, eh bien, Vitelon, qui est très profond dans le pouvoir, côté que l'État a facilité, monsieur Gagné là, machine, plaque officielle, eh bien, et en possession, côté que Vitelon qui est contagié. Et il y a même machine qui marque machine non et qui pour la créer nous allons vous donner toute information à vous dans cadre édition là côté que et bien et il y a un pile révélation qui a fait là et côté que de la part de RNDDH bien
réseau de défense des droits humains qui justement mettait bombe dans la rue, et bien voilà, voilà, voilà. Et bien, vite l'homme, c'est Jean-Mi Ariel, gens que tout te connaît déjà, confirmation, mesdames, messieurs. On va te saluer. Eh bien, Léonel, on a parlé là, on a voté tout droit dans la Tibonite. Pendant qu'on a parlé là, il y a un base gang, groupe, après nous, qui a envahi grand et envahi des petits rivières. Côté, il y a un petit rivière, il y a voté en grès. Ah, il y a parlé en grès. Et il y a voté à gros service, le grand rire. Il y a coupé secteur, moto, machine, bandit, ou pas d'habiter. Ils ont tellement, ils ont débarqué en plein. Tout grand ria qui bloqué, n'a pas parlé pour le moment là, dans le département de la Tibonite, à côté de base de Griffa, il y a avant nous qui envahit Tibonite. Mais juste avant nous entrer dans la question insécurité, vite l'homme avec bandit qui tombe, mais il y a une bonne nouvelle là, tout là, non, là, nous ne pouvons pas parler de lui. Nous avons le programme Biden, il y a 160 000 bénéficiaires, et vous parlez des États-Unis qui sont déjà entrés, il y a 3 000 Haïtiens qui ont quitté Haïti. Qui entre dans le programme Biden, 3000 Haïtiens qui déjà approuvé, ça veut dire Haïti, c'est un deuxième pays. Bon, je parle Haïti, c'est un deuxième pays qui a plus de monde. Je vais regarder le premier pays qui a plus de monde qui entre dans le programme Biden. Eh bien, n'a pas de tout droit dans la question insécurité, nous, la police qui continue à faire travail vali malgré nous connaître des déceptions. Par rapport avec Zach Brigandage, la police s'est fait au niveau des zones. Et nous connaissons, et dans votre ambassade là, mais ça va empêcher la police de continuer à traquer Bandio, qui continue à assumer la terre dans la population. Dans le département et Noah, nous avons la police qui arrivait à tuer, stopper. Deux chefs gangs, ils parlent aux chefs gangs qui tuent, et ils ont des armes saisies, puis des cartouches saisies tout, ça veut dire au niveau département noir. Ils ont des chefs gangs qui tuent, ils ont des armes saisies, des cartouches. Ils parlent des équipes de cartouches qui saisies. Chef gang, Eliphas Albert, ainsi connu, mais mourir dans un SRSI avec la police, dans l'opération qui est menée mardi 21 juillet 2023, dans la zone là-bas, commune dans l'imbé, département noir. Pendant l'opération, il y a des armes à faire fabrication artisanale. Il y a deux cartouches calibre 12, ils ont saisi par agent Udmo dans le département noir. Alors, c'est que redoutable bandit Eliphas Albert est activement recherché par la police, suite avec plusieurs mandats d'armée qui étaient émettent en contre lui. Nous parlons des associations criminelles qui ont opéré dans la zone, Wokaba, Madeleine et Blue. Elle dit nous, et depuis qu'elle est là, Léonel. Nous sommes dans le département de l'Oa, et nous sommes commissaire ça. Là, nous mettons six sous-moments, bandits qui pensaient qu'ils étaient capables de prendre le département de l'Oa en otage. Et bien, nous sommes depuis qu'ils paraissent dans le département de l'Oa, mais ça veut dire que le département de l'Oa, avec le département du plan, c'est des côtés qui peuvent être sinistres pour bandits là. Évidemment, je veux dire là, si nous regardons des degrés, et bien, des degrés de fiabilité que certains départements de pays sont capables de prendre le département de l'Oa comme dans référence. Et pourquoi pas le département des NIP, bon, même si des bateaux, c'est des côtés quand même, qui plus ou moins. Mais on regarde des degrés de degrés, on sait des criminels, je même yoye, bah, les anciens sénateurs qui pourrient le département, on prend le département Latibonite, le département l'Ouest, c'est deux départements qui n'ont pas la côté qui est plus gang, et bien, ça va les étonner. Son département de Kabayoui comme sénateur, son département de Kabayoui grâce à Delva comme sénateur, et vous dites ça ou seulement, son département de Kabayoui d'autres cartes comme sénateur, pas étonné, et bien, si vous êtes deux départements qui sont en tête, qui n'est plus le gang, et bien voilà, voilà. Qui est supposé interpréter devant la justice, c'est ancien sénateur Sao, des mondes qui ont baillé des armes, et bien voilà, le département du Nord qui continue à marquer point dans le cadre d'interpellation des bandits, la police même continue à faire, côté que nous songez, n'a pas appelé tout, nous songez, une nombre équipée de département Nord, ils ont tiré plus ou moins 6 jeunes aujourd'hui, mais des dispositions qui étaient prises par certaines autorités municipales, et pour que nous songez, ça n'a pas été gongé, tout le temps construit là, et bien nous songez, et Famiz et Maïta, et bien. Et Kamaïtien, et même c'est justement intervenir, craser de tout ça, et je dis là, ou Kamaïtien, plus ou moins, et par rapport à Jean Zonan construit, et bien, et voilà, voilà, et bien, nous avons amélioré, et ce qu'on a fait pour le bon jour, et bien, en Haïti, Kamaïtien, c'est une destination pour Kamaïtien, c'est pas vrai, aucune inquiétude, mais la police toujours répond pour appréhender quelque chose qui m'a dit,
qui vient à faire tête qui paraît tout à fait exactement sur la population. Encore une fois, la police frappée au niveau de la capacité commune, l'imbé, mesdames, messieurs, et bien voilà, voilà, c'est ça, et des formations concernant le travail de la police mené. Et nous également, toujours dans le cadre de sécurité, nous la police qui frappée, la DCPJ, mesdames, messieurs, qui c'est le direction centrale de la police judiciaire qui frappe là, à travers le bureau des affaires. Bon, et j'en ai dit, bon, je connais que jusqu'à maintenant, bon, nous avons toujours gain rage là. Et j'en ai toujours dit là, et l'amour, soi-disant, et appréciation que la population a gagné envers la police là, bon, c'est certain, monsieur, au père dit, ça c'est clair, au père dit. Mais et quand même, nous-mêmes, nous toujours dit, depuis qu'il y a arrestation, depuis qu'il y a bandit qui a tombé, et nous sommes obligés de souligner ça. Ça c'est important. Mais au-delà de ça, là, nous, j'en ai commencé à prendre information ça, mais des CPJ qui font un coup là. Et puis coup ça me passer c'est petit bail qui petit quand même puisque nous connais que jodi là nèg a sauvé nèg a prend million nèg a prend l'argent et pour l'autre côté à l'investir l'autre côté et bien là évidemment nous va le coup dit bravo parce que étant donné nous pas gain toute information yo mais pour qu'on y a là et jodi là nous le DCPJ et bien il prend gros requin là en nous toucher dossier ça et puis en avance avec ça évidemment lui n'a pas avancé avec information. Dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Je nomme Jean-Michel Louis Cito, c'est interpellé suite avec une plainte déposée contre lui-même par une victime pour avis confiance et pour association malfaiteur, faire connaître bio, affaires, finances, économiques, baf. Mais la dernière question d'avoir posé pour dossier de ces mesures, mais lorsque vous prenez tout ça, vous avez dossier criminel, par exemple, et bien, il y en a un cas qui vient de voir le dossier nègre qui blanchit l'argent d'un payant. Maintenant, pour cette question, qui est-ce que ça fait de ces pays jusqu'à présent? Il y a beaucoup moins de temps là-dedans. Juste ouais, répondre oui. L'information, parce que là, nous parlons de, justement, de combien, avec combien que vous prenez exactement. Et c'est citoyen ça qui a regardé sous l'écran là, évidemment. Et nous avons mis dans le cadre présumé, puisque nous avons jugé de façon officielle. Mais et quand même, on a repris pour nous bien comprendre bien. Et alors, bon, dis-moi, nous, on parle de Jean-Michel, Jean-Louis Cito, et bien, côté de la DCPJ, et bien, arrivé après à débuter en possession de une forte somme d'argent, et bien, environ 943 177 gourdes, et bien, c'est quand il a l'argent et encore il gagne environ 900 dollars américains qui arrive interpellé au niveau aéroport international tout seul aujourd'hui là et bien monsieur a été fait être passé au niveau de la douane vous voyez d'après son émoune et bien il était fait être passé pour combien broquin au sein de la douane et bien, au niveau de l'aéroport international tout seul ouverture et le nommé Jean-Michel Jean Lucito même était interpellé suite à une plainte qui était déposée contre lui par une victime, mais qui était déjà, que monsieur était déjà, volé l'argent. Donc, détournement des fonds, il est reproché d'avoir détourné des fonds pour détournement de fonds. Donc, la police, à travers son entité, la DCPJ, qui veut interpeller monsieur, donc, pas comme d'agent, qui veut être à la veille, pour déjeuner, donc, c'est point qui gagne. Donc, c'est plat d'un délire de monsieur avec, en plus, l'agent de donc, demain, là, on va même présumer, donc, c'est qu'un plainte. Donc, DCPJ agit. Grand parti qui est important, mesdames, messieurs. Pas oublier, monsieur Sao, c'est des experts, c'est des fraudeurs. Et puis, pendant qu'on a parlé là, on connaît grand pile dans nous qui sommes victimes de monde Sao. Eh bien, il y a une bagaille qui est reprochée, mesdames, messieurs. Eh bien, soi-disant Jean-Michel Lucito, ça, eh bien, il dit qu'ils sont brokers et dans droite. Lycée un broker dans douane. Qui ça veut dire exactement? Ça veut dire c'est un monde qui prend poste, qui a travaillé dans douane, ou même qui est dans diaspora, pour job, qui est dans le pays, qui doit voyer l'argent, qui a cap voyer bien, pour pas dire voyer container, voyer peu importe ce que vous voyez, et bien, les gens sont victimes d'individus, ça,
et gain lui-même c'est sûr c'était gain l'autre tout mais quand même eh bien ces gens de base ça nous dit quand même faut que dénonciation qui fait citoyens ça qui dénoncer là nous féliciter et puis nous même n'a toujours dit mesdames messieurs nous connaissons le premier réflexe que nous gain premier réflexe que nous gain ah Haïti on connaît c'est qu'on ça paye hier pas gain l'état pas gain si n'empêche ou pas grand rien à perdre si pour faire une plainte devant DCPJ devant peu importe ça lui en fait pareil parce que l'offel ou pas jeune connaît ou pas jeune connaît juste côté la privée mais l'offel silence eh bien gain beaucoup plus de chances pour que monde recommencer en tout cas n'a regardé figure 10 sacs sur écran là eh bien c'est lui même que on prend là mesdames messieurs avec justement plusieurs montants d'argent donc ça c'est ça on prend mais on pas connait qui l'autre comme il était mais n'empêche parce que c'est quand même bien pour qu'on y a là la répondre question du CPJ bon n'a quand même monsieur mettez le présumé pareil parce que il faut qu'on dise le coupable officiel oui mais l'on parle de bureau affaires criminelles. Elle dit, bureau, les câbles sida, l'argent d'un payant, mais qui est gros comme nom, et jusqu'à présent, DCPJ, il fait silence. Parce que, en garde pour en pour un dossier, c'est pour bac, bureau affaires criminelles, les encassis, DCPJ, il y a un rapport, ça fait DCPJ, pas agir par rapport à la vote nominale. Parce que, les encassis, c'est une question de temps, Salomon. Tout, mesdames, messieurs, tout le monde, sans question de temps pour prendre Nel Kassi. Et puis c'est très non, bientôt. Mais je vous dire, si le DCPJ est capable d'arrêter des citoyens pour question de blanchiment d'argent, mais va aller l'autre négatif qui sans cigare. Je ne vais pas prendre la voie ici, non? Le DCPJ est là pour nous, mais le qu'on a là, on parle de DCPJ avant de nos politiques de voir mes yeux. Pour qui m'en est qui va être un non? Tant qu'on a un ça qui va gagner nous là. Qui prend 953 000 gouttes, pendant que quelqu'un prend 1 million, 10 millions, 50 millions. Salomon, en prudent, parce que votre monsieur, ça, c'est pas simplement ça, le prend simplement. Gagne l'autre bagaille qu'il prend tout, qu'il n'a pas connu. Vous comprenez? Non pas, en prudent, vraiment prudent là-dessus. En vraiment prudent.